et messieurs, bonjour. Merci de nous suivre. Nous sommes au Bourget, précisément à Paris. La COP21 a ouvert ses portes le 30 novembre pour les refermer le 11 décembre. L'équipe du magazine agricole Brave Paysan n'a pas voulu se faire raconter l'événement. Nous sommes ici pour vivre cet événement en direct et informer nos braves paysans sur les mesures prises pour qu'ils soient au cœur du système. Ils sont confrontés au changement climatique. Dans les villages, nos braves paysans, nos braves paysannes ne savent plus à quel moment ils doivent planter la banane, l'aubergine, l'arachide, le maïs et j'en passe. Il est donc important de les former et de les informer. Vous voulez en savoir davantage? Suivez-moi. La conférence de Paris de 2015 sur les climats a eu lieu du 30 novembre 2015 au 12 décembre 2015 au Bourget en France. Elle est à la fois la 21e conférence des parties, d'où le nom COP21 à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, CCNUCC, et la 11e conférence des parties siégeant en tant que réunion des parties au protocole de Kyoto, CMP11. Chaque année, les participants de cette conférence se réunissent pour décider des mesures à mettre en place dans le but de limiter le réchauffement climatique. Ce sommet international se tient au Parc des Expositions de Paris-le-Bourget et réunit 195 pays. Parmi ses participants, il y avait bien sûr la Côte d'Ivoire avec une forte délégation. L'Agence pour la valorisation de l'agriculture était encore présente pour non seulement représenter les braves paysans, mais aussi inviter les décideurs et participants au JNVA 2016. En effet, les Journées nationales pour la valorisation de l'agriculture et des ressources animales se tiendront à San Pedro. Cette 6e édition qui se tiendra en fin d'année a pour thème l'agriculture africaine face aux défis de l'environnement et du développement durable. Notons qu'il y a de cela quelques années, AVA attirait l'attention sur les changements climatiques liés à la déforestation à travers son émission Brave Paysan avec l'association Malébi, une association qui produit du charbon du bois à partir du bois d'acacia et qui fait aussi du reboisement. Cette 21e édition a vu la participation de plusieurs structures en charge de l'environnement en Côte d'Ivoire, dont la REP+, à travers son concept « Agriculture zéro déforestation ». La particularité de la participation de la Côte d'Ivoire, c'est de présenter sa nouvelle politique d'agriculture sans déforestation. C'est-à-dire, le ministère de l'Environnement, en liaison avec celui de l'Agriculture et le ministère des Forêts, sont en train de réfléchir pour accompagner nos producteurs. Parce que vous savez que notre agriculture, malheureusement, dépend des pluies. Et ces pluies-là dépendent de la présence des forêts. Et malheureusement, nos forêts sont en train d'être détruites. Et donc, sans ces forêts, sans ces pluies, nous n'aurons plus d'agriculture. Donc, il était important que ces trois ministères-là avancent ensemble pour essayer d'encadrer nos producteurs pour que notre agriculture soit intensive. C'est-à-dire se faire sur de petits espaces en améliorant nos rendements. Et pour cela, il faut que nous portions l'information à nos agriculteurs. Ils n'ont pas toujours l'information, il faut donc renforcer leur capacité. Je pense que c'est cela la tâche à laquelle nous allons nous atteler dans les prochains mois. Donc en liaison avec l'ANADER, le CNRA, le MINAGRI, le MINEF et le MINESUD, nous allons déployer une vaste politique de sensibilisation, de formation de nos agriculteurs pour qu'en plus qu'ils s'adaptent au changement climatique, et puisse également préserver le peu de forêt qui nous reste. La particularité de ce processus REP+, c'est qu'il permet aux pays qui font des efforts en matière de lutte contre le changement climatique de bénéficier de revenus carbone. Et ces revenus carbone qui viendront sous forme de financement seront reversés aux populations qui font des efforts en matière de préservation de l'environnement. Et donc c'est très important que les populations, à travers un canal comme le vôtre, puissent avoir cette information, se faire enregistrer et bénéficier éventuellement de ces financements qui va lutter contre la pauvreté et créer de nouveaux emplois, des emplois verts. Le mot que nous lançons à nos agriculteurs, c'est d'avoir vraiment confiance au gouvernement. Il y a beaucoup de réflexions qui ont été menées. Grâce à la Banque mondiale, nous avons obtenu un appui pour un premier projet test, qui est un projet cacao ami des forêts, et un vaste projet de reboisement également dans la zone centre du pays. Et tout ça pour leur permettre d'intensifier, comme je l'ai dit, leur agriculture. Au niveau du ministère de l'Agriculture, nous avons deux objectifs en venant à la COP. Le premier objectif était de présenter la contribution phare du secteur agricole
dans l'effort de réduction des gaz à effet de serre. Et cette fois-là, nous l'avons dénommé l'agriculture zéro déforestation. Le second jour des travaux de la COP, ce concept d'agriculture zéro déforestation a été présenté à la communauté internationale et à la communauté nationale. Nous avons été beaucoup satisfaits du retour que la diffusion de ce concept-là a pu avoir auprès de nos partenaires. Le second objectif était également de venir nous enrichir de ce qui se fait ailleurs en matière de développement durable dans le secteur agricole. Et nous avons eu de belles choses, nous avons pris des contacts et nous espérons pouvoir les concrétiser et les mettre en application au niveau de notre pays. Notons aussi la participation du FEM, Fonds pour l'environnement mondial, en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vient de bénéficier d'un grand programme sur les villes durables et j'ai été coopté par le FEM pour parler au nom des pays bénéficiaires du modèle ivoirien. Nous sommes préoccupés parce que les financements du FEM se font toujours accompagnés de cofinancements. Le Fonds vert climat nous intéresse beaucoup parce que ce sont des fonds qui sont complémentaires. Tous ces fonds, comme le FEM, a été désigné depuis 1992 par la Convention des Nations Unies comme le principal mécanisme de financement des conventions des Nations Unies. Et donc, ces deux fonds ne pourront être que complémentaires. Mais aussi, nous avons eu la très bonne nouvelle ici. Il y a 11 pays développés qui ont mis ensemble, qui ont contribué pour 248 millions de dollars pour financer le fonds d'adaptation qui est adressé aux pays les plus pauvres. Et puis, il y a le volet aussi changement climatique qui concerne des pays comme la Côte d'Ivoire. Elle exhorte les braves paysans à plus d'union afin de bénéficier des financements. Le premier mot, c'est de se mettre ensemble, de se regrouper. Quels que soient les financements aujourd'hui, si vous êtes seul, vous ne pouvez pas bénéficier. Tous les bailleurs de fonds exigent que les gens se mettent en groupe. Donc, c'est mieux qu'elles se mettent soit en organisation communautaire à la base, en coopérative, pour pouvoir bénéficier des financements des bailleurs de fonds. FEM a plusieurs guichets de financement, dont le programme de microfinancement qui s'adresse aux populations, aux organisations communautaires à la base. Le ministère des Eaux et Forêts était aussi présent avec le projet 8 écoles, 5 hectares de forêt. C'est un projet de reboisement en milieu scolaire qui ambitionne de créer 6000 hectares de plantations forestières en l'espace de 5 ans pour 1200 établissements scolaires. Et donc depuis 2013, le projet a été officiellement lancé. C'est le lieu de remercier M. le ministre des Eaux et Forêts, Mme la ministre de l'Éducation nationale, M. le ministre de l'Environnement, parce que nous travaillons aussi avec l'environnement à travers la RED+. Et donc ce projet a un volet éducation environnementale. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est véritablement un changement de comportement. Et ce changement de comportement passe inévitablement par l'école. Les enfants sont, je dirais, la pépinière de la Côte d'Ivoire. Et donc, il faut déjà, à la base, leur inculquer les bonnes pratiques, les bonnes notions pour que, grandissant avec, ils puissent avoir des comportements éco-citoyens pour nous aider à préserver la forêt ivoirienne. Aujourd'hui, le projet a pris sur toute l'étendue du territoire national. Les besoins sont énormes. Nous sommes venus à la COP21 justement pour dire aux bailleurs de fonds que nous avons du bon potentiel en Côte d'Ivoire pour nous aider à reconstituer le couvert forestier. Honorable Sangaré Yakuba, député de Koumassi, président du réseau ivoirien des parlementaires de la protection de l'environnement et des forêts, dit y être venu pour défendre les intérêts des braves paysans. Il faut dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est dénouer les partenariats. Nous avons rencontré des gens pour discuter des opportunités et pour la Côte d'Ivoire. Il y a une ONG, par exemple, ici en Europe, qui a été créée par la diaspora africaine et qui fait beaucoup de choses au niveau du monde paysan. Alors, ils ont un événement qui vont peut-être organiser en Afrique dans le courant de 2016. Et le pays qui doit abriter cet événement n'est pas encore choisi. Et ils ont en idée d'aller en Éthiopie. Mais moi, en tant que citoyen ivoirien, je me battrai pour que cet événement soit fait en Côte d'Ivoire afin que nos populations puissent en tirer profit. Dans le but de trouver des solutions aux problèmes climatiques de nos paysans, une délégation de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire a participé à cette COP21. Je voudrais rassurer ces braves paysans qui, ma foi, sont au travail et leur dire que nous sommes venus à Paris
c'est pour réfléchir, c'est pour échanger et c'est pour obtenir un accord dans leur intérêt, dans notre intérêt à tous, dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Ne pas baisser les bras et dire que ça va bien se passer et leur production comme leur productivité vont connaître une amélioration. Des ONG et des structures privées soucieuses de la préservation de l'environnement sont venues promouvoir leurs différents projets. Nous sommes à cette COP pour présenter l'outil que nous utilisons pour gérer les déchets. Donc, sur notre site, nous avons deux incinérateurs industriels. Mais ce que nous sommes venus présenter au monde entier, c'est le second que nous venons d'acquérir depuis le mois de juin 2015 et qui est installé sur le site Avridi. Donc en fait, nous venons montrer au monde entier qu'en Côte d'Ivoire, dans le secteur privé, il existe des structures qui participent à l'atténuation des gaz à effet de serre. Monsieur Kouadio Kumasi Philippe, l'entité nationale désignée pour le transfert des technologies en Côte d'Ivoire, nous parle des projets agricoles en faveur du monde paysan. On a élaboré un document qu'on appelle l'évaluation des besoins technologiques. Ce document est un document stratégique qui a été approuvé sur le plan politique par nos responsables du ministère. Ce document regorge beaucoup de projets. Je dirais idée de projet, parce que nous on appelle projet lorsque le projet est bancable. Donc l'agriculture était un secteur prioritaire, où on a aujourd'hui, dans notre base de données, plus de 62 projets sur l'agriculture. Je peux vous donner un exemple simple. On a un projet sur l'igname qui permet à la tige d'igname simplement de pouvoir être en igname. Ça a été proposé par le CNRA, mais on va amener le CITICN à élaborer un projet pour que cette tige d'igname-là puisse produire partout. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a des ignames qui produit dans d'autres zones qui ne produisent pas dans d'autres zones. Et cette tige d'igname résiste au stress hydrique, c'est-à-dire toutes les variations climatiques y résistent. Donc aujourd'hui, le CNRA, par exemple, peut réellement exporter lorsqu'il y aura des idées de projet parce qu'il y aura un financement adéquat. Même aujourd'hui, le cacao qui s'est déplacé dans une zone pour une zone, les zones ne produisent pas de cacao. Je vous dis, en Côte d'Ivoire, il y a des technologies qui résolvent ce problème. Il y a des clones de cacao qui résistent au stress hydrique. Donc tout ça, lorsque réellement ça sera fait en idée de projet et en projet, il y aura des financements adéquats et on va aider ceux qui sont sur le terrain, c'est-à-dire nos agriculteurs, à réellement mettre en œuvre ces projets. Donc tout ça sont des projets d'adaptation qu'on veut, parce qu'on veut s'adapter au changement climatique. Il faut s'adapter dans la zone où tu es pour produire les éléments que tu veux, que tu produisais avant, que tu veux le produire. Ségolène Royal, ministre française de l'économie, du développement durable et de l'énergie, a effectué une visite sur les stands de la Côte d'Ivoire et par la suite a adressé un mot aux braves paysans. Il est nécessaire d'aider toutes ces femmes qui vont couper du bois avec des énergies renouvelables, des fours solaires, des foyers améliorés, etc. Faire aussi des adductions d'eau et transformer tous les déchets en engrais si possible. L'accord de Paris a été adopté par consensus par l'ensemble des 195 parties, un accord historique qui doit permettre la lutte contre les changements climatiques. La conférence de Paris va être, je pense, le démarrage de différentes stratégies pour lutter contre les changements climatiques. On rentre enfin dans l'action. S'il n'y avait pas eu la conférence de Paris, je pense que nous aurions perdu la guerre climatique. Avec la conférence de Paris, on ne l'aura pas gagnée. Mais on se mettra en situation de pouvoir la gagner. Il faut absolument que l'on protège, que l'on soutienne, quand je dis « on », c'est la communauté internationale, notamment l'agriculture familiale, la petite agriculture. Voilà, parce que c'est celle-là qui peut, encore une fois, être aussi une partie de la solution. C'est l'agriculture, notamment l'agroécologie, celle qui permet de protéger les sols, de réhabiliter les sols, d'entretenir des écosystèmes qui eux-mêmes vont stocker du CO2. L'agriculture peut être la victime des changements climatiques, mais elle peut être aussi la solution. Et il faut que la communauté internationale aide les agriculteurs à faire partie de la solution et non pas simplement du problème. L'accord de Paris et les résultats de la conférence climatique de l'ONU COP21 couvrent tous les domaines primordiaux. Atténuation, réduire les émissions suffisamment vite pour atteindre l'objectif de température. Un système de transparence et de bilan mondial, comptabilité de l'action climatique. Adaptation, renforcer la capacité des pays à faire face aux impacts climatiques. Pertes et dommages, renforcer la capacité à se remettre des impacts climatiques.
soutien dont les financements pour que les nations construisent des avenirs propres et résilients. Le ministre de l'Environnement, Alain Kouadio-Rémy, se dit très heureux de cet accord et de la participation de la Côte d'Ivoire. Le premier motif de satisfaction, il faut le dire, c'est d'abord la prise de conscience généralisée. Nous étions là à l'ouverture, 150 chefs d'État, et chacun d'entre eux a eu des mots forts pour dire au monde, attention, la planète est en danger, il faut que nous puissions réagir. Nous avons entendu des expressions fortes comme nous sommes là pour l'avenir de la vie. Nous sommes là pour qu'il n'y ait pas de suicide collectif. Bref, cette prise de conscience s'est traduite pendant les deux semaines de travail où chacun a fait de son mieux pour que nous puissions aujourd'hui aboutir à cet accord. Oui, cet accord nous satisfait. Bien entendu, il n'y a rien de parfait en ce bas monde. Mais de manière objective, il y avait plusieurs thématiques qui nous avaient guidés lorsque nous sommes arrivés à cette COP21. La première chose, nous souhaitons que ce soit un accord contraignant. L'accord est contraignant. Nous avons parlé de l'adaptation, qu'il fallait qu'il soit pris en compte. Il a été largement pris en compte. Nous avons parlé des ressources financières. Oui, par le passé, à Copenhague notamment, il avait été promis qu'à partir de 2020, il y aurait 100 milliards par an de dollars qui seraient consacrés à financer l'atténuation et l'adaptation des pays en développement. Cette COP dit que non seulement il y aura un niveau plancher, c'est-à-dire qu'il y aura au minimum 100 milliards par an à partir de 2020, mais qu'à partir de 2025, il y aura une revue et qu'on pourrait donc réviser nos ambitions en termes de financement à la hausse. En arrivant ici, il était plus question de limiter l'augmentation de température à 2 degrés. Et voilà que, pratiquement de manière unanime, tout le monde dit que 2 degrés d'accord, mais ayons pour objectif 1,5 degrés. En arrivant ici, la question des pertes et dommages était entre guillemets. Les résultats de cette conférence font la part belle à ces pertes et dommages. Et l'accord prévoit de renforcer les capacités des pays en développement pour minimiser ces pertes et dommages. Je crois que pour l'essentiel, nous sommes venus ici à Paris. Nous ne repartons pas à Bredouille, bien au contraire. Nous avons fait de notre mieux. Et aujourd'hui, je peux dire que grâce à la solidarité des ministres africains, grâce à la cohésion qui existe au sein du groupe africain, ce résultat-là est le nôtre, est le vôtre, est celui de toute l'Afrique. Après son adoption par la COP, conférence des parties, l'accord de Paris sera déposé aux Nations Unies à New York et ouvert le 22 avril 2016, journée de la Terre-Mère, pour une durée d'un an afin d'être signé. L'accord entrera en vigueur après que 55 pays comptant pour au moins 55% des émissions mondiales auront déposé leur instrument de ratification. AVA donne rendez-vous à tous les participants de la COP21 au JNVA 2016 à San Pedro. Nous faisons de l'agriculture, mais l'agriculture se fait au détriment de notre couvert forestier. Or, c'est la forêt lutte, on peut dire, contre les changements climatiques. Là où il y a la forêt, eh bien, il y a de la pluie. Là où il y a la forêt est un puits de carbone. La forêt capte le gaz carbonique qui est à l'origine du réchauffement climatique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on puisse faire de l'agriculture qui a un rendement intéressant tout en préservant nos forêts. Et c'est dans ce contexte qu'au niveau du ministère de l'Environnement, qui porte ce mécanisme avec d'autres ministères, notamment le ministère de l'Agriculture, qui porte le mécanisme RED+, c'est la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts. Il s'agit de faire en sorte de prendre des actions de sorte qu'il y ait de la reforestation, du reboisement, etc. En fait, il s'agit de faire de l'agroforesterie. Faire de l'agriculture,
en même temps planter des arbres. Parce que la science montre que désormais, les arbres et les cultures vivrières ou les cultures de rente peuvent aller ensemble. En ce moment-là, on ferait donc ce qu'on appelle l'agriculture zéro déforestation. L'université Péléforo Grand Koulibaly de Korogo, région du Poro, a accueilli une conférence débat organisée par la Chambre nationale d'agriculture en collaboration avec le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique PASRES. Cette conférence avait pour thème « Conflit agriculteurs-éleveurs, quelles solutions durables pour une cohabitation paisible ?» En effet, après plusieurs années de conflits qui ont enregistré de nombreux hectares d'exploitation agricole détruites, des centaines de bêtes abattues et surtout de plusieurs pertes en vies humaines, la Chambre nationale d'agriculture et le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique ont engagé le débat avec tous les acteurs du monde agricole afin de trouver les mesures idoines pour mettre fin à ce phénomène et contribuer à la recherche d'un environnement socio-économique paisible dans ce secteur. En présence des différentes autorités administratives, religieuses, coutumières, des représentants des ministères de l'agriculture et des ressources animales et halieutiques. Les différents partis ont relevé que les conflits agriculteurs-éleveurs sont dus à plusieurs causes telles que la démographie galopante avec accroissement des besoins alimentaires pour les hommes, les changements climatiques, la divagation des animaux, la gestion de l'espace pastoral par les différents acteurs du conflit, l'expansion des fausses rumeurs, les conflits précédents mal gérés et l'accumulation des rancœurs, etc. Le conférencier Dr Traoré Moussa, coordonnateur du programme d'appui au développement de l'élevage en Côte d'Ivoire, PADESI et les panélistes, quant à eux, ont dégagé quelques pistes de solutions et recommandations qui sont la mise en place à travers tout le pays d'un comité villageois de règlement des conflits, la sensibilisation des différents partis, la sécurisation par l'État du foncier pour éviter les conflits liés à la terre opposant l'agriculteur et l'éleveur, et le renforcement des capacités des magistrats sur les lois à la transhumance. Le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique, PASRES, programme ivoiro-suisse qui a pour vocation à accompagner toute initiative visant à rechercher des solutions à des problèmes d'intérêt national se dit satisfait à travers son secrétaire exécutif. Nous sommes satisfaits de l'organisation de cette conférence parce que le PASRES en tant que programme de soutien à la recherche s'intéresse, n'est-ce pas, à la résolution de tous les problèmes d'intérêt national. Donc nous avons souhaité donc réunir des chercheurs, des acteurs, réfléchir ensemble pour trouver des solutions aux conflits agriculteurs et éleveurs en Côte d'Ivoire. L'initiateur de cette conférence débat, Bamba Sindou, président de la Chambre nationale d'agriculture, adresse ses sincères remerciements à tous les participants pour leur volonté de trouver des solutions consensuelles. Il était bien qu'on engage ce dialogue à l'intérieur de la maison, pour que effectivement les ressortissants, éleveurs et agriculteurs puissent d'abord s'approprier les tests qui sont en vigueur en Côte d'Ivoire et aussi avoir une profonde connaissance du dispositif juridique et judiciaire en la matière. Il était bien donc qu'on vienne, que les acteurs soient informés de tout cela. Ça aussi, ça fait partie des missions de la Chambre d'agriculture, informer, former ces ressortissants pour que effectivement la profession soit menée, soit vécue de façon harmonieuse. Au terme des échanges, acteurs du monde agricole et les différents participants sont repartis satisfaits avec beaucoup d'espoir que ces conflits ne surviennent plus pour la marche de l'économie ivoirienne. Terminé en ce qui concerne la COP21, vous l'aurez compris, le monde entier a effectué le déplacement pour donner son point de vue sur les changements climatiques dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes là
pour faire entendre que les braves paysans et braves paysannes ne doivent pas être oubliés dans cette chaîne de valeur. Rendez-vous est pris dans 15 jours pour un autre numéro de votre magazine agricole Braves Paysans. Pour toute information, vous pouvez nous contacter à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. J'ai été très heureuse de vous présenter cette émission en direct du Bourget à Paris. À très vite.